Shay, I'm nasty than a motherfucker. Hey. I hit the J, Straxy than a motherfucker. Hey. Vintage frames, classic than a motherfucker. Right. Backseat of the Uber, ration like a motherfucker. Hey. I be high Snoop, sipping gin and juice. Woo. Get me drunk, I stomp your ass out in these diesel boots. In the street trying to change me, but I can't do that. My city missed me, so I booked a jet and flew back. Questions, what you asking about this motherfucker? It ain't no talking, it's just action out this motherfucker. We talk about Cleveland, then we taxing out this motherfucker. What? We get them Benjamins and Jacksons out that motherfucker. Hey. I went from one bedroom apartments to a mansion. Over there. I fuck my bitch and we listen to Marilyn Manson. They be trying to figure out how I get all the grams. I say the plug is my motherfucking biggest fan. Comment ça va? Aujourd'hui, troisième édition de la Sneakermania. Et là, si tu peux montrer, Tom, quand tu me vois, c'est 50 fois plus grand que la dernière fois. J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Petit objectif de paire, une petite Air Max One Pata qu'on n'a pas trouvé à Clermont, justement. Et d'aller voir un petit peu ce que les Belges y recherchent, ce que les Belges y vendent. Et bah justement, à s'imprégner un petit peu de tous les vœux. On y va, c'est parti. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, on va commencer par ce qu'on fait d'habitude. Tout ce qui est un petit peu cosmétique, vêtements, etc. Et les paires, ce sera tout au long de la vidéo. On avait pour idée avec Tom, qui est derrière la caméra aujourd'hui, et que je remercie encore de faire des grilles. Malheureusement, bon, c'est que des diamants, donc on va pas faire ça aujourd'hui. On a des bougies juste là, des ballons, et je vais pas forcément trop m'attarder là-dessus parce que ça m'intéresse pas trop, je vais pas mentir. On va commencer à avoir un peu de marque. Je me rappelle, lui il avait un stand de basket. Alors au niveau des polos, ça va pas trop m'intéresser. Peut-être au niveau des t-shirts, si tu veux te rapprocher du champion à 25 euros. Moi, vous savez que moi je suis plus intéressé par les t-shirts un peu de concert. Et là, on a des parfums. Il y a aucun sens cet événement. Ça vaut quoi, les gars? Comment tu vas, mon frérot? On se check normalement. Ça vaut quoi? Bien. Oh, je vais en faire une photo. Et le photographe aussi doit venir, non? Oh, le souvenir de fou. Oh, le souvenir de fou. Elle est pour vous, les reufs. Mec, je la garde. J'irai de se parfumer, peut-être. C'est n'importe quoi, la Belgique. Vas-y, les frérots. Mec, ça, c'est trop bien. Ça, c'est ce que je veux en événement chaussures, tu vois. C'est des petits souvenirs qu'on va faire. Les photos, elles sont trop bien, gros. On a beaucoup, 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 beaucoup de trucs. J'ai une question à vous poser, les gars. Quand vous préparez un événement, vous vous dites, on va ramener des chaussures pour ce que ce soit vendu. On va ramener des chaussures que nous, on vend d'habitude. Par exemple, là, de ce que je vois, il y a beaucoup de dunks encore aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous savez qu'il y a beaucoup de dunks qui pourront se vendre ou vous faites ça en mode, c'est ce que vous vendez d'habitude? C'est ce que vous avez d'habitude. Vous avez déjà fait d'autres événements que la Sneakermania, du genre Luxembourg. Est-ce que Luxembourg, tu ramènes les mêmes chaussures que tu ramènerais à Luxembourg? Ouais, exactement pareil. Ok, très bien. La petite Travis un peu sous-côté. On va dire un peu sous-côté. Et après, on a des petites paires cool. Est-ce que ce serait pas l'heure d'essayer d'aller mettre un chausson? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Demain, je suis prêt pour Reda. Demain, Reda, t'es mort. On a encore pas mal de dunks. On va en parler. Jordan 1 Low à 250 euros. La Jordan 4 en haut. Jordan 4 Fear, une des paires dont j'étais fan quand j'ai commencé à m'intéresser à la basket. 429 euros. Je sais pas à quel point c'est 750 euros. Je l'avais acheté 230, 200 et quelques euros. La Dunk Chicago, on a de la Jordan 1 Low encore à 250. La UNC, qui est une des meilleures paires, à 220 euros. Sa top paire. Hein. La, je sais pas, c'est la LA Dodgers. Je sais même pas. LA Dodgers. J'ai une question, moi, sur ça. Est-ce que tu viens vraiment pour essayer de les vendre? Non. C'est quoi, toi, que tu vends le plus sur des journées comme ça? Les plus, en fait, c'est des SB. Des SB? C'est ton premier événement en tant que... Bruxelles, ouais. Ok, sinon tu fais quoi? Au Luxembourg, j'étais. Luxembourg. Et Luxembourg, tu proposes la même chose? Ou tu proposes un peu plus différent? Non, c'est toujours... Okay. Dans ce siècle, c'est que les dunks. Ok. Il n'y a que les dunks qui marchent le plus ici. Ouais. Combien tu la vends? 6500. Ah, 6500 euros. On fait des folies, mais pas autant que ça, quand même. Ben, Alpha Mosso stand vieillerie, mec, et ça j'aime bien. On se posait la question de qu'est-ce que c'était que cette paire. Ghostbusters. On était pas si loin. Ghostbusters. Il y a combien de stock sur ça? Pas grand chose, si? Si, t'attire pas trop, toi. Première paire que vous m'avez acheté pour mon anniversaire, non? Et là on a un mini stand encore avec beaucoup de dunks ici. Là, ça, la dunk, ça va pas m'intéresser. Oh, les dunks, ça y est, j'en peux plus faire. C'est bon, elle est trop mignonne. Combien vous la vendez celle-là? 125. Attends, ma nièce, elle aura d'autres choses au pied. Tant pis, tant pis. Là, on a de la top paire. Hello. We only have one table, so we only brought. And this is the best table of the event. How? As soon as they are made, they are available. I made a video about it, and it was at 1K 60. Really? 650. With box, yes. Yeah, this is without the box. All these pair, this one is with box because they already released. So this one is with box. It's all early, and they are without box.
This one is pretty crazy. Yeah. What's the story behind this there shoe? There will only be 4,000 pairs of these made. They are based on a pair that was made in, I think, somewhere in the 2004, 2005. And there were three pairs made of the shoe, without the cuts, of course, the regular shoe. Yeah. One pair got sold on auction on eBay for $26,000. The sample pair that got cut in pieces, there's a reimagination of the pair from all before. Right. This one is a lobster, yeah, I think. Lobster. Can I pick one in my hand? Yeah, sure. Oh, thank you. Just take it on the yeah. If you want. Donc, c'est Travis, la prochaine qui va sortir la Fantôme à 1400 en 44. Dommage, c'est pas ma taille. Oh merde alors. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est en rapport avec Stormy. Ça va être dur de la caler. Franchement, ça va être un peu compliqué de la caler. Mais la paire, elle est complètement folle. La Lost and Found à 650. La à ma manière, qui est selon moi une des meilleures d'ailleurs. 1000 euros. Ok. Et je sais pas, elle a l'air bizarre la paire là. L'intérieur, là même sur la languette, on a des petits trucs écrits. You are here to sell or just to expose? Both. Okay. Normally, we take around 200 pairs. But we got only one table this time, so we got only hit. It's nice for people to see pairs that they are. Yeah, and that's why we are here too. That's why I want to come here as well. And you are the boss. But I don't see the pairs that I want to see. So. Tu vois la Travis, en la voyant en vrai, ça donne moins envie. Mais on l'aura quand même. Encore beaucoup de dunks, de la Easy Slide. Maintenant que j'ai ma paire, je suis un peu tranquille avec ça. J'aime beaucoup ça. À 200 euros en 42,5. Là, si les anciens sont là, vous allez vous rappeler. Le premier monsieur à qui j'ai acheté une paire en event, la Dunk Chicago. Notre avis juste là-haut, 2000 euros. On va éviter de la toucher. Hein. Celle-ci, regarde, que j'avais acheté à 180, je sais plus. J'avais pris à 250, je crois. Un truc comme ça. On a beaucoup trop de dunks encore. Mais on va aller, vous le savez, tous les ans, on les retrouve. On a mon gars, André. Si, tout de suite. Hein, Umberto, alors. C'est ici que tu dois acheter. Hein. Oui, toujours. Vas-y, je veux bien la prendre, s'il te plaît. J'avoue que je suis pas très attiré par ce genre de choses-là. Après, c'est aussi le travail. C'est quoi, c'est du jean là? Ouais, ça m'attire. Comment elle est lourde. Peut-être soupèse. Je suis venu chercher une petite paire d'Air Max. Avant de venir, j'avais préparé un petit peu mon achat. Et le mec derrière le stand, il est trop beau gosse. Il s'est grave bien habillé pour l'occasion. La fameuse petite pata black. Ah, mais on a le truc en plus à l'intérieur. Combien je te l'ai acheté, Andrea? 340. Bon, dans les commentaires, tu vas te faire incendier comme d'habitude. Je te fais PayPal. Bon courage mon frérot. Maintenant qu'on a fait l'achat, on est plus tranquille. Je sais pas si c'est un bon prix, 340 euros. En tout cas, est-ce qu'il y a des trucs un peu cool qui sont dispo juste là? Là, on a de la paire de basket b-ball. Et ça, c'est cool. J'ai eu ça dans ma vie. Et en vrai, c'est pas mal. On a de la Grinch, malheureusement, qui se revend à 700 balles. Oh, j'avais pas vu. C'est la dernière LeBron. Je pense que c'est l'une des premières LeBron qui est un peu portable. Vous étiez là à Amsterdam. And you had some curries, non? Why is it so expensive? They were made for him. That is his player edition from when he was signed of Nike. So they've got his logo there from when it's tonight. Ah, because he's on Under Armour now. Yeah, that was shoes actually made for himself. C'est incroyable. Premier 500 euros. This is his size? That is his size. 47. This is for Kyrie, got his own shoe. I don't like Kyrie anymore. I am for the Celtics now, I don't like Kyrie now. No, it's okay. That was made for Kyrie when he was at the camps. Yep. Before he got his first shoe. Kyrie is known to have different technology in his shoes. So like, if say like a shoe has like one full MZ unit, it'll get like a double stack of Zoom unit in it. And then we got the New York Yankees. That's one of three pairs known to be in existence. But there is a market on this? Yeah, the people buy in America more than in Europe. Yeah. C'est incroyable, trop bien ce stand. On a eu des paires à 3000 balles normales. Historiquement, dans le basket, c'est incroyable. Tu vois, genre des Curry alors que c'est Under Armour, c'est fou. Tu vois. C'est trop bien. On a du coup de la Yeezy. Ça se revend un peu la Yeezy ou pas? Mais 700 surtout. Ouais. 700, mais 350, c'est finito. Ah ouais. Un grand mur de dunk et de paires un petit peu à l'ancienne. Pour ceux qui veulent voir, New Balance, c'est Joe Fresh Good, je crois, à 250 euros. On a également le Jordan One Low à 200 euros. On a un peu de paire cool, la Mommy. Sean Wotherspoon juste là-haut. La petite Mocha qui est une des meilleures paires actuellement et qui ne baissera peut-être jamais en cote d'ailleurs. Après, en dehors de ça, on a plutôt des, on va dire, entre guillemets, GR qui nous intéressera pas trop ici. On va aller juste en face parce qu'il y a pas mal de paires cool. Ça va ou quoi, frérot? Tu veux passer dans la vidéo ou pas? T'es chaud? Normal. Vas-y. C'est la première fois que tu fais des events ou pas? Première fois. Qu'est-ce que toi tu cherches à acheter, à aller voir des paires, à. Franchement, surtout pour regarder, etc. Ouais. T'as pas forcément d'objectif de repartir avec une paire aujourd'hui. Des trucs qu'on aime bien, le basket, chaussures, la musique. Tu connais. T'as budget illimité, t'achètes quoi comme paire? Je prends une sale paire, une bonne Jordan 4 fois. Merci mon frérot. Dans les stands de custom avec des lacets un peu cool et là-bas, et je crois que c'est du DIY, je crois que ça s'appelle français. Is it DIY? It's like you put it on the. And how much is it? It's wax CC with the sneaker or without the sneaker? With the sneaker, ok. On a des paires un peu cool qui est selon moi la meilleure off-white, la Jordan 5. Et après, surtout le reste du stand, c'est des paires un peu classico del Madrido. Ça va ou quoi? C'était l'année dernière. C'est marrant que tu vends ce genre de choses là. Ça se voit pas forcément beaucoup, tu vois, des Jordan 10. Est-ce que selon toi, c'est pas la meilleure semelle que Jordan ait jamais fait? Oh, elle est. Bon, si tu veux montrer la semelle un peu, moi j'avais déjà parlé, mais t'as tous les achievements un peu que Jordan a fait. Fais un peu le choix de vendre des paires un peu différentes. Est-ce que c'est parce que tu sais que ça va attirer? C'est pourquoi tu fais ce genre de choses là? Parce que j'aime attirer une vidéo de gens. Ok.
Tu sais quoi, mais il est fou quoi. Je vais tout montrer. On va faire doucement, on va faire doucement. Jacquemus, la marron. Ok. Combien tu l'as acheté? Attends. Il peut pas. Tu peux pas me faire ça. Non, non. Ah ça va. C'est pas la Guava Ice. Combien tu l'as acheté? 850, ok. Je l'ai à l'hôtel là. J'ai mis hier. Mais gros, il a acheté combien de trucs? Faut lui dire de se calmer hein. Petite Black Cat, ok. Elle est déjà portée celle-là par contre. En vrai top pair ça aussi. Je me permets. Des New Balance, c'est pour qui ça? Aïe. Elle est bien celle-là. En tout cas, merci de soutenir frérot. T'es un boss hein. Tom, je te fume au tennis de table tout à l'heure. Je te fusille. Et on va aller dans la frime. Alors, j'ai appelé hier Crush Club. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de métal. On va essayer de voir peut-être des t-shirts de sport. À la limite de sport. On a des trucs un peu Jordan, un peu Nike. Que là, bon, ça va pas forcément trop m'intéresser. On va aller voir les t-shirts blancs peut-être. Regardez le beau gosse. Regardez le beau gosse. Il est encore là. Un jour, on fera une vidéo que sur lui. Tellement c'est bien ce qu'il fait. Oh l'odeur. Non. Je crois pas qu'on va trouver un t-shirt Tom aujourd'hui là. Genre de collab improbable. On va rien forcément trouver ici. T'as trouvé des trucs? Ouais, c'est vrai, j'ai pris ma Travis. Aïe. Top pair, combien tu l'as payé du coup? 800. Pour mon premier event, franchement, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver en fait. T'as rentré dans l'avion ça? Dans la valise, t'inquiète, celle-là va bien rentrer là. Eh, ici, ils ont des boules de fou, hein. Ils ont des grosses boules. Hein. Cette paire-là, vous l'avez pas encore vue sur la chaîne, mais bientôt. Bientôt, ça arrivera sur la chaîne. Sors ça d'où là? Tu la vends combien là? Ouais, c'est en backboard. 1003. Ce genre de paires là, tu viens plus les exposer ou tu viens vraiment essayer de les vendre? J'essaie de les vendre. Mais est-ce que ça se vend vraiment? Ça se vend. Ben, ah ouais? Il y a beaucoup de demandes quand même. Ok. Dès que je dis le prix, je dois réfléchir. Sur ton stand là, c'est quoi qui se vend le mieux? C'est les Dunks? Pour l'instant, les Dunks. C'est ton premier événement ou? T'as fait d'autres pays? Hollande. Est-ce que tu prépares un événement comme la Bruxelles de la même manière qu'un événement à Amsterdam ou tu ramènes des paires un peu différentes? Je crois que en Hollande, c'est encore plus chiant. Ah tu pèses là tu pèses. Trop bien ouais. Yanis qui est avec nous aujourd'hui. Alors je vais pas mentir, je me suis arrêté 5 minutes, j'ai fait que des photos. Ah Jess, c'est ton premier événement chaussure? Alors c'est la deuxième fois que j'ai inscrit. Au Sneakermania. Tu penses quoi là de la deuxième? C'est mieux là? C'est largement mieux, déjà l'engouement il a pris complètement c'est fou là. Un autre tournant. L'année dernière t'avais très peu de monde, là t'as une queue de 1 heure. Ah ouais? Non, c'est juste au bout de la vie. Oh c'est incroyable. Ok on va aller voir, après. T'es venu faire quoi là? Vendre cette paire. De combien t'en espères en vrai? Ouais, je sais que ce que prix reset sur internet à 9 c'est 170, c'est pas la laisser à 140 à la rigueur. En vrai, toi t'es venu pour voir plus que autre chose? La revendre et bon, tu m'en achètes une paire s'il y a un coup de cœur. Les gars, faites attention à vous. Là, il y a du monde. Tom, il est temps de s'infiltrer. Alors, on a le stand, je crois, qui était même à Amsterdam, si je dis pas de bêtises. Eux, les mains, ils vendent quoi, gros? Un jour, il faudrait que j'aille en event avec lui. En vrai, ce serait cool, je pense. Tout est top pair qui sont tout là-haut, hein, la Chucky Dunky, la Sean Weatherspoon, la Animal. On a de la champagne, je crois, de la Jordan 6 champagne. Et là, une paire qui est selon moi une top pair, une Spiridon Para, qui est très très cool. Et en dehors de ça, on a des paires plutôt classiques avec, en gros, ils ont mis le moins bien en bas et le meilleur en haut. Du coup, on a un peu de foam qu'on n'a pas présenté tout à l'heure à 190. La Babe, ça c'est cool par contre. Il y en avait pas mal à Clermont du coup. La Off-White à 400€ et de la Dunk encore une fois. Ah si, il y a de la Jordan One Low, mec. Moi, je suis un gros fan de Jordan One Low. De fait, vous voir avec de plus en plus d'OG, ça me fait grave plaisir parce que moi, je suis genre vraiment modèle OG. Genre, j'ai acheté la Bread, la Royal et la Shadow. Je les ai achetés quand ils étaient sortis à 90 balles, tu vois. Il y a un engouement autour de cette paire là, de la OG. Genre, ça se vend ou c'est juste parce que tu veux mettre un peu de diversité dans ton stand? Franchement, OG, je pense que c'est plus affaire de diversité, on va dire. Ouais. C'est pas ce qui est le plus demandé, je veux pas. Ok. Dire, donc, ça se vend moins que ça. Pas le coloris, mais le modèle. Ça se vend plus que ça. Se vend plus. Ouais. Quoi? On a des petites paires cool également ici. On a pas mal d'Air Max et ça change d'un petit peu d'habitude. Petite Air Max Curry, ça c'est une top paire aussi. Également, ouais, ça c'est une top paire. La petite Air Force One Carhartt, c'est apparemment une des plus quali qui est sortie. Et après, on a pas mal de paires juste à haut avec la Travis, etc. Tu vois, ça par exemple, gros, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, tu vois. La Ultra Boost, tu vois. C'est pas le genre de truc que je verrais. Tu vends des Ultra Boost alors que c'est plus trop à la mode. Genre, qu'est-ce qui te fait? Ça, c'est là. C'est là. J'aime bien, on revoit des gens qu'on connaît, c'est un peu cool. Ça, c'est l'ambiance que j'aime, j'apprécie, tu vois. Il y a un monde de zinzin. La petite Soulfly que j'ai jamais réussi à porter parce que je l'assume pas. Si ça, là, tes couleurs comme ça et la Toe Box serait noire, ce serait plus portable, tu vois. Mais c'est très compliqué. On a de la Off-White juste là. Et après, on a un peu de JR si tu veux montrer un petit peu. Il y a énormément de monde. Viens, on va bouger, frérot, parce que c'est trop difficile. Oh, incroyable. En 44, la petite Celtics, un petit peu attaquée avec du drag derrière, mais à 300€, en vrai, c'est pas mal. On a la petite paire portée, la Jordan 3, de la Suzanne, juste là. Moi, la M, honnêtement, je trouve une des meilleures paires actuellement sorties, même si j'avoue que la semelle de soi un peu crispies. Tu te rappelles les crispies, elle est pas très fan. Et derrière, on a pas mal de paires. Je vais lui demander si on peut avoir la Chicago de 2015, que des patas, des trucs de fou, là. I like those ones, but my favorite one is the Chicago one. Yeah. I don't care about this. Chicago 2015, elle est portée. Là.
elle est portée à 2000 euros. Ça va être un petit peu cher. On a de la Travis juste là à 450 euros. Elle est honnêtement pas pris en cote en fait. C'est une Travis qui est abordable et que je trouve cool en vrai. What do you have to show me? From which way is it? Oh, it's like 1985. 85, the first one. You can check, you can tell. By this way? Yeah, oh, oh, oh. T'es mal, les stars. Bon, bah, on va faire le stand d'ici. Hein. On a des petites Travis juste là. Une petite Off-White également. Là, je pèse. Petite chaîne Wazer Spoon juste ici. La petite Pata juste là. La meilleure Travis jamais sortie. La fossile. Paire de 85, 1985, une Jordan 1. Je pense que c'est la paire de mes rêves. J'ai budget limité, je pense que ça tape sur ça. Par contre, jamais, tu vois, je pourrais la porter. Il y a marqué le prix. Mais ils travaillent, donc je vais pas forcément les embêter. Tu crois que je peux la négocier à combien? À 5 balles. Là, c'est le stand des top paires. Dorn Baker juste là. Is it used or is it dead stock? I got used and new. How much do you selling the Travis ones? 1,700. I got a one once also for 1,300. And what size? 9. No, it's not my size. Not my size. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est là l'histoire de la Travis Fragment. C'est exactement le même coloris qui a été pris justement pour la low. On a de la Supreme juste ici. La Chunky Dunky qui est mise comme si c'était une paire normale alors que c'est pas du tout une paire normale. Et on a de la Off-White juste là avec de la Easy. Au oh, que des top pairs, c'est la folie. Quoi. Tom, tu veux laquelle? Je te l'achète. La Off-White. Tom, je t'aime bien, mais là ça va être compliqué. How much are you selling the Shatterback Board ones? 900. 900 and it's warm. Yeah, yeah. Warm. It's like 20k? 6k. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de l'événement Tom. Je suis bien content parce que j'avoue ça fait un peu bizarre. J'ai vu pas mal de personnes qui m'ont reconnu et ça fait très bon plaisir. Il y a énormément de monde. J'ai acheté ma petite paire de Pata et je suis très content de ça à 340 euros. Chez mon frère au Contraste donc ça fait toujours plaisir. Nous avec Tom on va se la coller à FIFA et je vais t'arracher gros. Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like, me le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge. On se retrouve la semaine prochaine vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien et les événements c'est trop la folie. Ciao.